Hello, hello et bienvenue dans un nouveau vlog avec des faces pas très réelles. Ce matin, on s'est fait à 7h parce que il y a les équipes de Pop My Day qui viennent nous ravailler la façade, nous ravailler les cheveux à 8h et puis en attendant, on peut manger. Ouais, c'est faim. Non, on n'a pas très faim, mais bon, il faut manger. Et on disait aussi que depuis qu'on était à Paris, on mangeait comme des grosses vaches et qu'il était temps qu'on rentre à la maison pour stopper les restos. C'est ça, c'est stopper les restos, ouais. Les desserts et l'alcool. Pour ma part. Caro en train d'éditer le vlog. On est en flux tendu, méga tendu. La coiffeuse vient de nous appeler, elle est en bas donc elle va monter. Pas de coiffeuse à l'horizon. Et en fait ce service là, Pop My Day, on vous mettra le lien en barre d'infos parce que c'est genre t'as besoin d'un service manucure, épilation, coiffure, maquillage, ce que tu veux, t'as pas le temps d'aller en institut, et ben ils viennent à toi. Et ils viennent à toi à 8h du matin si tu veux que ce soit à 8h du matin quoi. Et donc nous ça nous sauve un peu aujourd'hui parce qu'on n'aurait pas eu le temps d'aller dans un salon etc. Surtout que les salons, bah du coup, ils ouvrent plus tard, donc là, c'était idéal. Et je crois qu'elle est là. Bonjour, elle est arrivée. Bon, on a commencé par un brushing. Alors, vous savez que je déteste avoir les cheveux lisses. Mais ce n'est que la première étape. Et Caro, elle commence à se faire maquiller. Seems like yesterday, your eyes crept this way. Bon, ça dans la petite maison dans la prairie, mais ils sont tous blonds presque. Donc je dénoterai. Alors là, en fait, c'est l'ordi d'Amina, donc de chez Pop My Day. Et alors, c'est le combo parfait entre la coque de Caro de son MacBook et ma coque de mon MacBook. C'est incroyable! And we swore on that day that it'll never fall apart. We built a Et nous voilà ravalés. Ouais, ravalés, coiffés. Ravalés, coiffés, on est vraiment contents. Bon, en tous les cas, on vous mettra tout en barre d'infos pour que vous puissiez profiter du truc parce que... C'est à Paris, hein. On l'a dit. Ah oui, non, j'ai pas dit. Parisienne. Ouais. C'est pas pour les parisiennes. Et ils sont en train de réfléchir à faire des trucs de yoga et de quoi t'as dit encore? Fitness. Et vous n'allez pas ouvrir ailleurs en France? Si, on réfléchit à en Provence. Là, on est Paris, région parisienne. Et après on va voir pour la province, c'est juste qu'il faut d'abord rôder le truc ici. Ouais. Non mais c'est vraiment trop cool, plus besoin de... Ouais parce que là on enchaîne direct avec le shooting quoi. Ouais. Juste à côté, pratique. Bon on est retourné, on est arrivé sur le lieu du shooting. Et c'est reparti du coup pour les plans où vous voyez que la fenêtre. Mais dans tous les cas vous verrez bientôt. Mais en même temps ils peuvent deviner aussi un autre thème. Ils en ont déjà deux. Là, ils peuvent peut-être en deviner un troisième. Exactement, c'est vrai, tu as raison. Alors, dites-nous ce que vous croyez. Mais j'ai commencé à avoir des commentaires qui se rapprochaient de la vérité. Ouais, moi aussi. On est d'accord. En même temps s'ils connaissent bien les animaux. Les animaux. Non mais en fait l'expression elle marche qu'au singulier. Tu connais bien l'animal, mais on dit pas tu connais bien les animaux. Non, tu dis pas ça normalement. Alors, une fois n'est pas coutume, mais en fait si, un peu. Mais déjà, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Si, à la caméra, ça se voit. Ah. Elle est plus foncée, celle-là. Mais surtout, il y a le gros orteil qui fait coucou. Mais je vais pas les jeter. Non, mais je suis comme toi, moi. Sauf que je le dis pas. Bon, alors là, c'est la mission, parce qu'en fait, comme le livre, il va pas sortir maintenant, obviously. Il va sortir dans quelques mois où il fera plus chaud. Donc il faut qu'on ait l'air réchauffé sur la couverture. Sauf qu'en vrai vous saurez qu'on a, fait les photos comme s'il faisait super chaud alors qu'on est en janvier et qu'il fait 2 degrés. Non t'exagères, 3 degrés. T'exagères encore. 4 alors. T'exagères. En tout cas, 10. Il fait très froid et nous on va se la jouer grosse chaleur, lunettes de soleil, tout va bien et tout. À la jambe à l'air, voilà. Alors qu'en fait on fait le jour. Bon on a déjà fait quelques photos en extérieur. Dans un lieu trop beau. Ah ça me fait penser.
Et là, on se retrouve aux toilettes pour se changer. Hop. Voilà comment ça se passe-tu. C'est très restreint. C'est pas très très grand. Ça là, ça me fait un peu penser à dans Amélie Poulain. Quand il y a les gens qui font des trucs dans les toilettes, genre après là, ah oui, il y a de la mousse. Ouais, il y a de la, la buée, voilà. Bon, on se réchauffe avec avec quoi? Un cappuccino et du thé et encore des cappuccinos. À table. Mmh. C'est bon, hein? Oui, c'est très très bon. Je me régale, je me délecte. Voilà. En fait, la fille de la Emanuela, la photographe, était en train de parler avec ses copines de nous. Et elle a 12 ans, sa fille, et elle ne nous connaissait pas. Par contre, ses copines, elles leur parlaient de nous parce qu'elles nous connaissaient. Et donc, nous, bah, on a fait une photo avec, avec Emanuela, on l'a envoyée à sa fille et tout ça. Et après, elle nous renvoyait un selfie toutes les quatre, du genre on vous adore et tout ça. Trop mignonne, quoi, ça fait trop plaisir. Et donc là, on est toutes repimpées pour continuer notre journée. Bon, je vous retrouve plusieurs heures plus tard parce que. On n'a pas eu le... Enfin, en fait, on s'est séparés avec Caro. Elle est retournée à l'hôtel après voyer une copine. Donc, sa copine Elodie, que vous aviez vue dans un autre vlog, d'ailleurs. Et moi, ce soir, je dors dans un hôtel absolument incroyable, encore une fois. Comme j'avais été invitée à tester l'hôtel dimanche dernier, j'ai été invitée à tester celui-là. Donc, vraiment, je sais pas qui remercier parce que j'ai envie de remercier tout le monde à chaque fois qu'on m'offre ces possibilités-là. Voilà, me dit Safia, si tu veux venir à l'hôtel Échiquier Opéra à Paris avec ton chéri, bah c'est avec plaisir qu'on te reçoit. Et moi, je suis là, waouh, enfin, waouh, quoi, merci, merci mille fois. Donc là, je viens d'arriver, j'ai un rendez-vous en bas du coup avec ceux qui m'invitent, avec l'agence de com en fait, pour tout vous expliquer, qui m'invitent ici. Et puis je vais vous faire un petit tour, il faut que je charge ma batterie parce qu'elle est à nouveau vide. Et voilà, je suis vraiment super gâtée quoi. Et j'attends Guillaume qui est à nouveau là ce soir, donc bref, j'espère que vous comprenez ma... Waouh, je suis épatée. En fait, ils nous ont mis dans une suite. Vous voyez, avant que j'ai plus de batterie, je vous montre vite fait. Et je snapperai demain, je pense. Et donc la chambre, vous avez vu, trop super belle. Ah, j'ai pas mis la carte. Donc voilà, maintenant que j'ai allumé la lumière. La salle de bain est immense avec des gels douche Clarins. Donc là, on est vraiment dans une chambre incroyable. Et il y a une petite lettre aussi. Et ça, je sais pas ce que c'est. J'ai toujours pas rechargé la batterie, hein, vous vous en doutez. C'est un lot de confitures. Alors, figue violette, orange blonde et morello cherry. Je sais pas ce que c'est. Vous me direz si... Ah bah, griotte, c'est marqué au-dessus, je suis bête. Donc, made in France. Oh, génial, trop trop joli. Je vous ai pas montré le ciel ce soir comme il est beau. Je pense que demain, il va faire grand soleil sur Paris. C'est trop beau d'ailleurs, je l'ai pris en photo donc je vais sûrement le poster sur Insta. Je trouve ça trop trop joli ce rose, ce violet, ce bleu. Pouf. Je pense qu'il y a une bonne lumière dans ces couloirs. Que c'est propice à la photo. Ils sont très très grands, je sais même pas si je me perds pas. Ah non, c'est marqué ascenseur. Comme je suis au 6, je vais peut-être prendre l'ascenseur. Ah oui, vous avez pas vu l'ascenseur comme il est beau. Aussi, au cours de ce vlog, j'ai changé les réglages de ma caméra de vlog. Donc peut-être que la qualité est meilleure. Ça fait genre un mois, deux mois que j'essaye de l'optimiser et que je n'y arrivais pas. Et peut-être qu'elle est meilleure, vous me direz. Ou peut-être que pas du tout. J'ai l'air d'avoir fait la bamboula toute la journée. Pas loin de l'hôtel. On vous dira d'ailleurs s'il est bon parce que je suis pas toute seule. J'ai retrouvé mon chéri et mon cousin et la carte. Merci. Ah. Merci. On est trois. Ça s'appelle au four, au fourreur. Ah ouais.
Ce qui nous a convaincu, c'est qu'il y avait de la viande, là, par là, et une omelette. J'en ai trop envie de l'omelette, mais elle risque d'être rikiki, mais bon. Non, mais je trouvais que leur carte, c'était pas forcément très belle, donc je voulais aller refaire un petit peu. Donc, il a posé la carte comme ça. Normal quoi. Côté romantique. Côté romantique. Oh, t'es tellement chaud. Je suis au carte trésor. C'est ça. Carte trésor. Il y a un petit côté papyrus. C'est sympa. C'est moi son amoureux. Oui. C'est moi. Ouais, d'accord. On va aller se doucher et se coucher. Et demain, c'est une bonne journée. Arrête, il me croit que t'es beau. Là, ah oui, c'est vrai. Bizarre, là. Ah oui, c'est vrai, pardon. Elle a pas bu. Non, en plus. Et demain, nous. Enfin, moi, je retourne sur le plateau du shooting. Genre. On sent plus, ça y est, pam pam, je suis là. Non, fais gaffe, c'est fragile. Et Gégé, il a plein de rendez-vous pour le projet avec l'équipe que vous avez montré la semaine dernière. Donc ça avance. J'aimerais vraiment qu'en février, on puisse vous montrer des trucs. J'ai vraiment hâte de vous en parler plus. Et moi, je rentre à BCN. Retrouver Campeche. Vous avez été nombreux à demander Campeche, où est-ce qu'elle était, qu'est-ce qu'elle foutait. Et en fait, c'est ma copine Camille qui s'en occupe pendant qu'on n'était pas là. Et demain, bah, je la retrouve, Campeche. Et samedi, je vais voir Camille. Elle était entre de bonnes mains. Ouais, elle s'en est trop trop bien occupée. Elle m'envoyait des photos et tout. J'avais trop envie d'être là. C'était vraiment trop mignon quoi. Donc, bon, elle nous a trop aidés. Et voilà. Bref, bonne nuit à tous et à très vite pour de nouvelles aventures.